Hey guys, benvenuti nel mio canale, o bentornati nel mio canale. Allora, oggi sono tornata con un ospite molto speciale. Non sono sola, come potete vedere, di solito ci sono solo io, ma oggi no. E vi presento mia sorella. Ciao, sono Ushi, sua sorella. So yeah, ciao. Allora, vi ho chiesto su Instagram di farmi delle domande. Le domande ce ne ho sia in italiano che in francese. Quelle in italiano le leggo in italiano e rispondiamo in italiano. E quelle in francese le leggerò in francese e risponderemo in francese. Perché non ho voglia di tradurle. So, se volete conoscerci un pochino di più, il nostro rapporto speciale. Sì. Continuate a guardare il video. Première question. Comment est-ce que vous faites pour être autant amis? Je sais pas. Ça se trouve que c'est le fait d'être proche en âge, genre de ne pas avoir beaucoup d'années d'écart, qui font en sorte qu'on soit si soudés. Et après, c'est aussi le fait que j'ai QL, genre on est que deux. Gotta do what you gotta do. C'est même ma mère, quand on était petite, elle nous poussait beaucoup à rester ensemble, ensemble, et encore une fois ensemble. Donc je pense que c'est pour ça. Après, c'est vrai que pendant les années, ça n'a pas toujours été comme ça, hein, genre. Pas du tout. Genre, il y avait une série, on se calculait pas. Genre, chacun sa vie. On était... Après, c'est l'adolescence, là. Ouais. Mais pendant quelques années, je saurais pas dire. Je ne saurais pas dire exactement combien de temps, mais franchement, ça a duré pas beaucoup. Mais pas longtemps, hein, mais ça a duré. Pas beaucoup, j'avoue. Mais ça a duré un tout petit peu. On se calculait pas, genre chacun sa vie. Genre, on n'était vraiment pas comme ça. Donc voilà. On a grandi, hein. Ta caca. Bah quoi, caca. Est-ce que vous vous dites tout? Non. Enfin. Pas tout de suite, genre. Ouais. Non, mais en vrai, ouais, en fait, ça dépend. Ça dépend des choses. Il ouais, y a des choses qu'on garde pour nous. Et peut-être on dit après. Ouais. Genre, moi je dis, hein, après un bout de temps, je dis. Ça dépend vraiment des choses. Mais en général, oui. En général, oui. Ouais, en général. On va dire que c'est les 10%, 5% des choses que. On ne se dit pas. Ouais. Mais au final, même après des années, on va se dire, au final, on va savoir en fait. Ensuite, ça vous arrive de vous disputer? Bien sûr. Toute personne qui vit ensemble se dispute. C'est la loi de la vie. C'est la nature, c'est l'univers. Ouais. Ça aurait été... Non, franchement, là, ça aurait été trop bizarre sans se disputer. Ouais, non, franchement, ça c'est dans le monde de bébé nours, je sais pas, ça se dit. Bisounours, je sais pas, mais. En tout cas, c'est pas dans la vraie vie, hein. Non, non. Genre, c'est vrai, quand on était petite, on s'est disputé. Quand on dit H24, ouais. C'est H24. Ah oui. Et ça partait en cri. Ça partait en cri, hein. Non, franchement, même on s'est parents, on s'est... genre, ils nous disaient, vous êtes que à deux, vous faites ouais. Pas de bruit, vous deux. Vous êtes... Ouais, nous, on était 10 et tout. On s'entendait bien, ouais, hein, c'est vous vrai, êtes que c'est deux. Vrai, vous m'entendez pas. Non, franchement, quand on était petite, on va dire. L'état de l'école primaire, on va dire. Là, on s'est disputé H24. On se dispute moins, mais c'est presque jamais de ma faute. Moi. Tu mens. Je sais. Voilà, merci. Non, franchement, moi, de mon côté, ça sera rare. En fait, mon père. C'est parce que je suis chiante. Ouais, elle va chercher des trucs qu'elle peut éviter de dire. Elle sait que ça va m'énerver. Ouais, mais et après, je vais dire quand même. Voilà. Mais... Et après, on va se disputer. Et bon, après ouais, c'est des pas bêtises. Souvent, ouais, et ça dure bêtises. Pas longtemps. Mm. Une autre demande est, que signifie toi il suo nome, quindi di mia sorella, et qui est plus grande tra le due, quindi significato del tuo nome. Ben, Ushi. Che ha nome tedesco e tradotto appunto dal tedesco in italiano vuol dire Ursula, come la strega cattiva di Ariel. E beh, sei la più grande, una differenza di un anno, niente. Un po' meno di un anno. Un anno, sì. Giorni, ci tengo sempre a più giorni. Ok, un'altra domanda cruciale. Fumba o Pondù? Pondù. Vi.
Punto. Sa. Non c'è niente da fare. Non c'è paragone, non sono, per me non sono paragonabili. Però non è che sia male. Non però è buono. Quando fare una scelta tra le due opzioni, Pondu. Pondu vi. Signore. Ça vous arrive de vous disputer? Si oui, combien de temps afin. Si oui, combien de temps ça afin que vous vous réconciliez? Ben, je crois qu'on a déjà répondu à cette question. Hein. Ouais. Oui, ça nous arrive. Pour nous réconcilier, par contre, ça on n'a pas dit. C'est souvent, pas vite fait? Non. C'est vite fait. Ah, c'est, en souvent, fait, c'est le lendemain. Ouais, parce que moi. Genre, on va dormir disputer. On dispute. Et le lendemain, on va se reparler, considérer une idée. Moi, dans ma tête, il y a toujours le truc. Parce qu'en fait, son problème, c'est quoi? Elle vient me chercher, elle me cherche, et elle sait que je vais me fâcher. Parce que je suis très susceptible. Et je vais m'énerver, en fait. Genre, parfois, je me dis, vas-y, laisse tomber. Mais parfois, j'arrive pas. Et son problème, c'est qu'elle va m'énerver. Et après, elle va, par exemple, elle va venir me parler alors que moi, je suis encore énervée contre elle. Et parce elle, que j'oublie. Voilà, elle oublie qu'elle m'a énervée. Alors que moi, non. Moi, j'oublie pas. Ça, c'est vraiment des questions visées. La personne qui a fait ça. Tu as créé quelque chose de mauvais. Tu as créé quelque chose de mauvais. Voilà, tu sais t'es tu qui. Tu sais t'es qui. Tu vas te reconnaître. Tu vas te reconnaître. Mais voilà. Donc, est-ce que Ushi aime quand tu la colles et que tu lui donnes beaucoup de bisous comme ça? Je vois que ça veut me faire. On est au panzanga, boika, boué. Je comprends pas trop. Je sais pas. Je sais pas, mais. Bon. Est-ce que t'aimes bien? Pas tout le temps. C'est pas comme avant. Moi, je suis très quelqu'un de très câlin, très bisous, très câlin. Je suis vraiment quelqu'un de très affectueux, mais beaucoup. Moi, beaucoup. Non. Alors qu'elle, pas du tout. Donc. Vraiment zéro. Donc, quand je me fais genre. Moi, j'ai toujours eu cette habitude. Je pense que c'est les parents qui nous poussaient à ça. Parce que je sais pas, ça. Rien que ça pour prendre les photos, quand on était petite, ça nous disait fais un câlin, voilà, fais un câlin. C'est vrai. C'est vraiment depuis le bas âge. C'est vraiment une habitude que j'ai toujours. On a été grandi comme ça. Ouais, du coup, moi j'aime bien faire les bisous. Genre, en plus, ces joues, genre, elles sont trop douces. Genre, bref. Ensuite. Non, mais en vérité, elle n'aime pas tout le temps. Parfois, elle m'échasse, pardon. Très des mauvaises façons, de façon très mauvaise, et je me fâche parce que ça me vexe en fait. C'est vraiment... mais c'est mon corps. Ouais, elle va dire ça, mais moi ça me fait genre ça me fait mal parce que moi par exemple quand je fais ça, j'ai la manière de dire non, elle va faire non. Et je la laisse faire aussi parce que je sais que ça va lui faire plaisir. Ouais, bon. Après la pauvre. De quoi? Que je t'en, je fais tout le temps des bisous, des trucs. Bon. Ensuite, vous êtes complice? Oui. Ça se voit pas, genre. C'est naturel. Qui mange les plus? Ah, c'est moi. Ah, c'est moi. C'est grave. Elle mange pour 3 personnes. Oh. Quand je dis elle mange pour 3 personnes, ceux qui ont vécu avec elle peuvent le témoigner. Je ne suis pas une menteuse. En fait, on dirait pas, hein, parce qu'elle est toute skinny, machette. Elle mange. Non, elle mange grave. Elle mange vraiment beaucoup. Ensuite, qui de vous deux est la plus gentille? Ah, c'est Samantha. C'est ah, Samantha, elle est grave gentille. Elle est méchante. Mais... elle est plus façon dure, façon... mais Samantha, pas gentille. Non, mais Samantha, elle est mais vraiment douce. Gentille. Franchement... elle est... qui est la plus grande tour? On a déjà répondu. On dirait des jumelles. Oh là là, va falloir arrêter. Ouais, parce qu'on a passé l'âge en fait pour ça. On se ressemble plus. Bon, pendant le bas âge, oui. Mais on se ressemblait. Vite fait. La daronne nous habillait. Pareil. On dirait des jumelles. Franchement, les ça soit l'accoutrement, coiffure en tout cas, on dirait des jumelles. Mais là. Non, franchement. Arrêtez de nous mentir comme ça. Hein. Non. Attention. Ensuite, on va passer à la. La liste aux questions basiques du sister tag. Donc, qu'est-ce que t'aimes le plus chez ta sœur? Je te laisse répondre au problème. Je t'écoute. Ah, sa gentillesse, sa douceur. Et je sais pas. Hein. Genre c'est tout? Bah, le fait que souvent elle maquille.
En gros, c'est ça. Hein. Ok, moi, ce que j'aime le plus par rapport à toi, enfin de toi, c'est que tu es patiente avec moi. Je parle de moi parce qu'après je ne sais pas avec les autres. Et après elle est super serviable. Mais quand je dis elle est super serviable, genre moi je suis la petite mais je l'envoie tout le temps. Genre je lui dis tu peux me prendre ça. Et moi par exemple, à chaque fois je lui dis mais si tu veux tu peux dire non, tu vois. Parce qu'elle dit tout le temps oui, enfin la plupart des temps. Et même quand elle dit, quand elle a pas envie de faire, elle est super serviable. Après souvent, après ça c'est pas moi qui demande, hein. Attention, faut pas confondre les choses. Mais genre elle va ranger mes affaires juste pour m'aider. Ou juste parce que, bon c'est vrai qu'elle aime pas les désordres, mais elle va le faire, la chambre, ouais, elle va le faire, enfin sans avoir le seum ou non. Et après ce que j'aime, t'es toujours à l'écoute. Tu me supportes beaucoup parce que moi je me plains. Enfin, je me plains par rapport à mes trucs, hein. C'est pas par rapport tu à. Tu te plains beaucoup quand même. Ouais, souvent tu te plains par rapport à moi. Ah bon? Non, c'est pas que tu te plains par rapport à moi. Par rapport à moi, tu te plains. Ah, je me plains plus. Bon, ça, c'est à voir. Ça dépend des contextes, ça dépend des trucs, genre. Ouais. Mais en général, je me plains beaucoup. Et me supporte beaucoup, beaucoup, beaucoup. So yeah. C'est ça. Ensuite. Qu'est-ce que tu détestes chez ta sœur? Hé, hey, commence-toi d'abord. Où t'as boy boine? Je sais pas. En fait, non, c'est pas que je sais pas, mais j'ai pensé à des trucs, voilà. Ce que je déteste. Toutefois, il sait déjà, hein, c'est pas que oh, elle va tomber des nuages ici. Oh, oh. Non, il sait déjà. On sait. Ouais. Donc, moi, ce que j'aime pas, c'est qu'elle s'est plaint. Genre, elle s'est plaint beaucoup. Dans le sens que, quand il y a un truc à faire, par exemple, à la maison. Elle va pas faire parce qu'elle sait qu'elle doit faire. Elle va se plaindre et après elle va faire. Ça en fait, moi ça me dérange parce que toutefois elle sait qu'il va falloir qu'elle le fasse. Mais elle va se plaindre. Mais c'est parce que j'ai pas envie. Ensuite, sorry. Ensuite, ce que j'aime pas, c'est qu'elle est trop maniaque. Elle est trop de l'ordre. En fait, c'est bien, mais elle sait trop. Et quand c'est trop comme ça. Abuse, hein. Oui. Non. Ce que je déteste. Ah, c'est bon. Moi je crois que c'est tout. Et bon, toi t'as dit que moi je suis trop maniaque de l'ordre et tout. Voilà. Pour moi c'est le contraire. Elle est trop. Elle est un peu trop bordélique. Voilà. Et vu que moi je suis. Franchement, quelqu'un de très, hein. Si je peux me défendre à ma défense, excuse-moi de t'interrompre. Ça, ouais. Mais je t'ai pas interrompu. Hein. Ok, vas-y, continue. Et voilà, en fait, c'est ça. Après, je crois que c'est ça. Ça va? Attends, je pense. Hé! Hey. Non, je crois que c'est tout. Ah, t'as oublié un truc. Chez toi? Ça m'entend souvent. Elle est sur son portable. Oh non! Laissez-moi vous dire une chose. Moi, mon truc. J'aime pas qu'on regarde à ce que je fais sur mon téléphone. Même si j'ai fait rien de bizarre, rien de louche. Ouais, j'aime pas. Ça m'énerve. Même quand c'est maman qui regarde, je vais tourner mon téléphone. Parce que je me dis, ou j'aime la regarder, genre, il y a quoi? Il y a un problème. Il y a un problème, s'il vous plaît. Mais moi, je fais pas ça exprès, genre. Non, franchement, écoute. Non. Moi, je suis d'accord. L'œil peut tomber parce que même moi, quand je suis dans les transports, je regarde les trucs des gens. Hein. Mais quelqu'un est à côté de moi. Elle va regarder. Moi, je sais qu'elle regarde parce que je sens son regard. Mais moi, par exemple, moi, je le fais avec elle. Hein. Je regarde son téléphone, mais je dis rien. Ah ouais? Elle va commencer à dire, oh, mais c'était qui? Oh, c'est un tel. Oh, mais quand même, et moi, c'est un truc qui m'énerve. Ça m'énerve. Et c'est un truc de... Ouais. Et je sais pas, j'ai beau lui dire 100 fois, 1000 fois, même, elle n'écoute même pas. Même 1000 fois, c'est pas... Non, c'est pas assez. C'est pas assez. J'oublie. Ensuite, décris ta sœur en 3 mots. Franche, carrée et aussi adorable, quand même, il est adorable. Merci, c'est gentil. À mon tour, douce, à l'écoute, aimable. Allez à la question suivante. Bref. Qui lit les plus? Pas moi. Pas elle. On lit pas. Non. Pas du tout. Quelle est la boisson
nourriture favorite de ta sœur? Alors, la tienne, sa boisson favorite, c'est pas un secret, c'est des iced tea pêche, tout le monde le sait. Sa nourriture, par contre, elle en a pas, je pense, spécifique. Elle mange tout, elle aime tout. Enfin, tout ce qu'elle mange, elle aime bien. Trucs, mais... Sa boisson favorite est la Sprite et nourriture. Je crois pas, t'as genre spécifiquement une nourriture préférée. Franchement, oui. Ouais. Une nourriture préférée? Pomme de manioc? Non. C'est genre, quand on dit nourriture, c'est dans tous les domaines, entrée, dessert. Tiramisu? Ouais. Et je peux dire pour ça. Ouais. En plus, elle prépare bien les tiramisu, hein, franchement. En quoi ta sœur est très très nulle? Elle est nulle en maquillage. Ah, ça? Franchement, elle est pas nulle. Non. Elle est pas nulle. Mais elle s'améliore. Elle s'y donne pas, genre à 100%, c'est un truc qui m'énerve. Genre, elle a vraiment du potentiel. Mais elle s'y donne pas à 100%. Mais elle est pas nulle en maquillage. Peut-être elle est nulle en. Tu sais pas tout ce qu'elle fait, elle fait ça bien. Non, moi je dirais maquillage. Hein. Ouais, bon, on va dire maquillage, mais elle est pas zéro. Hein. C'est pas qu'elle est zéro, mais c'est juste qu'elle s'y donne pas à 100% alors qu'elle pourrait être grave forte. Bref. Oh. Et toi, t'es nulle en sport, hein? Ah ouais, ça va me faire, ouais. Ok. Non, mais t'es nulle. C'est pas que je suis nulle en sport, non? C'est que j'ai pas envie d'en faire, c'est différent. C'est la même chose avec les maquillages, hein? Pour ceux qui me concernent. Elle a dit, je suis nulle en sport, je suis choquée. Oh, c'est vrai. Ah, mais. Non, franchement, ça m'a touchée. Je pensais que t'étais. Enfin, tu t'attendais? Moi, je pensais que t'allais dire en maths. En maths, je suis nulle. Ah, en maths, oui. En maths, t'es nulle. Mais... Et désolée. C'est la première chose. Non, mais j'ai pensé. Ok, d'accord. On va dire en maths et en sport parce que elle s'applique pas comme elle pourrait. Voilà. Mais... Ça m'intéresse pas. Qui prend le plus de temps à se préparer le matin? Faut rectifier. Okay. À se préparer tout court. C'est elle. Il y aura même des témoins à ce sujet. Samantha, elle est très très lente à se réparer. Non. Alors, complète la question. Ma sœur est... Je commence parce que t'as un bac sentimental, dis-moi oui. Hein. Donc, ma sœur est ma meilleure amie. Ma sœur est... un bijou dans le sens que à mes yeux elle est très précieuse et toute personne qui va essayer, qui a essayé en fait, parce que toutes les personnes qui lui ont fait du mal et tout, moi je tape pas, je suis pas quelqu'un de violent, mais voilà, c'est vraiment quelque chose de très, quelqu'un de très précieux à mes yeux et voilà. Je vais pleurer. Vraiment, j'arrive pas à faire ce genre de choses. Vous voyez, je vais pleurer, elle a même pas fait genre, oh, tu vois. Merci, c'est gentil. Tu peux dire ce que tu veux, hein, genre, pas m'insulter, s'il te plaît. Parce que... Non, pas ça. C'est une peste. Non, je rigole. Je rigole. Ma soeur et une petite étoile à mes yeux, voilà. D'ailleurs, je l'appelle comme ça en italien. Ouais, je m'appelle comme ça. Ouais, c'est vrai. C'est trop mignon. Qui est le plus introverti ou extraverti? Alors. Ça dépend des nous, déjà, parce que... Ce qu'on nous dit, c'est pas ce qu'on voit nous. Parce que moi, ça m'est arrivé, les gens, en me voyant, ils vont penser que je suis extravertie, justement, que je parle aux gens, que je suis sociable. Je suis sociable, je parle aux gens, mais je suis très timide en même temps. Du coup, je vais jamais aller parler aux gens. Mais c'est que sur les débuts. Hein. C'est au début, quand je connais pas la personne. Voilà. Si je te connais pas, moi, je vais rester assise, je vais pas parler. Alors qu'elle, on dirait, elle est grave enfermée, elle parle pas, elle est introvertie. Alors qu'entre nous deux, quand, par exemple, il y a des gens, c'est elle qui va parler aux gens. C'est pas moi, en tout cas, moi, je parle pas aux gens. Je suis trop timide. En fait, on est les deux, toutes les deux, mais pas trop. Ouais. Voilà.
si ta sœur était en prison, quels seraient les premiers crimes que tu penserais qu'elle ait fait? Alors elle, je pense que... agression, genre. Je pense que si elle doit aller en prison, c'est parce qu'elle a agressé quelqu'un. Elle a agressé physiquement, attention. Ouais, ouais, je crois aussi. Hein. Physiquement. J'ai pensé la même. Non, elle, ça doit être ça. Ouais. Après, je pense pas... En fait, on dirait pas, mais elle est agressive quand même. Ouais. En tout cas, moi, je penserais qu'elle t'a volé genre quelque chose. Après, pas n'importe quoi, hein. Genre du make-up, des perruques. Gars, Mouimbi. Ouais. Gars. Ouais. Toi, oui. T'es sûre? Par contre, t'as tellement envie d'avoir quelque chose du make-up que tu serais capable même de voler. Hein. Non, après, je sais que j'irais pas capable. Parce que oui, j'ai trop peur, genre, de la justice. Mais... je peux pas avoir des problèmes avec la justice. Mais je crois que ça serait ça, hein. Quelle est une chose qui a changé de ta sœur en grandissant? Son caractère. Genre quand elle était plus petite, elle était beaucoup plus extravertie, moins timide. Or que maintenant, voilà, elle est... elle est plus, voilà. Elle est timide. Hein. Après, une chose qu'elle a changé depuis qu'elle était plus jeune, c'est qu'elle s'est beaucoup calmée. Parce qu'avant, elle était très... très moto. Je fais très nerveuse. Elle est très nerveuse, donc on peut rien lui dire. Quand je dis rien, si tu le dis, ça va barder. Dispute. Avant, elle était incontrôlable. On dirait un ouragan. Je vous jure, hein. On dirait pas, là, vous la voyez, la Kimia. Elle n'était pas comme ça, elle a changé. Et Dieu merci, là. Moi, j'aurais pas supporté cela jusqu'aujourd'hui. Ah, non. Jamais. J'aurais pas pu. Non, c'est vrai qu'ils m'ont touté. Non, j'avais pas un caractère à vivre avec les gens. Voilà. Impossible. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. J'espère que vous avez appris à mieux nous connaître. Vu qu'il y avait... enfin, on me demandait de faire une vidéo avec ma soeur. Donc, here she is. Si vous voulez la voir plus souvent dans ma chaîne YouTube, faites-le moi savoir. Bah dites-le-moi. Dites-le-moi. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous. Ypsilon. En masse. Voilà Ndayeko. Hein? Et activez la cloche des notifications pour que vous puissiez recevoir des notifications lorsque je publie des nouvelles vidéos pour être à la page. Imneya 2020, être à la page. Vous connaissez déjà la chanson, je suppose. Donc abonnez-vous, activez la cloche, partagez avec tous vos potes, tous vos proches, commentez genre tout ce que vous voulez, la partie qui vous a fait le plus rire, tout ce que vous voulez, dites-moi vraiment si ça vous a plu. Et voilà, je vous fais des gros bisous, on vous fait des gros bisous, et on se dit à la prochaine, ciao.